Bonjour à tous. Donc l'aventure continue. On est de retour dans l'atelier et on a récupéré pas mal de palettes ces derniers jours. J'ai passé une journée à les démonter. Et toutes ces planches vont me permettre de fabriquer une cabane bien sympa pour les cailles. Puisqu'on a des cailles japonaises à la maison et leurs œufs sont particulièrement bons. Et pour ça, je vais leur fabriquer une cabane en forme de temple japonais. Et comme vous pouvez le voir sur le schéma que j'ai fait sur SketchUp, ça risque d'avoir une sacrée gueule. J'espère que ça va vraiment bien rendre. Allez, c'est reparti! Cadeau géant. Donc, avant le rabotage, on note l'épaisseur de chaque planche et on les trie par ordre décroissant, du grand au plus petit. Ça facilite le rabotage. Sur le champ de la planche, on réécrit en plus le nom de la planche et sa référence. Maintenant que toutes les planches sont rabotées, coupées à longueur et surtout délignées, font toutes la même largeur, il va falloir les assembler par blocs de 3, histoire de faire les poteaux, les entrées et toutes les parties de cette cabane temple japonais pour les cailles. Donc c'est assez simple. Au final, on met de la colle. On a assez bonne quantité de la colle qui résiste à l'extérieur, c'est mieux. On barbouille. Et après, histoire de faire directement les tenons et les mortaises, on peut installer la cale qui fait pile poil la bonne largeur. Et on met des clous. En essayant de bien aligner les planches entre elles, qu'il n'y ait pas de désaffleur. Tac. Bon, avec un pointeur pneumatique, une agrafe automatique, ça ira plus vite. Mais je n'en ai pas. Enfin, c'est pas comme si j'allais mettre 3 jours à faire ça. Hop, pour la troisième partie, on remet de la colle. On regarde bien les faces pour mettre celle qui est la plus belle à l'extérieur. On replace la cale. Et c'est reparti pour les clous. Et voilà, du coup, on a directement une mortaise en bas, débouchante. Ok.
et directement un tenon en haut. Comme ça, ça nous fait directement notre assemblage pour le poteau. Pas besoin d'usiner, ce qui va faire gagner quand même pas mal de temps. Et quand vous faites ça, faut pas avoir peur de vous mettre de la colle plein les doigts. Donc voilà, pour le temple japonais, j'ai besoin de faire des feuillures dans des mi-bois qu'on appelle, donc des grosses feuillures dans des bouts de bois. Et donc il faut que j'enlève cette partie-là, mais pas sur toute l'épaisseur du bois, juste sur 14 mm de profondeur. Et donc pour ça, je vais utiliser la scie radiale et je vais vous montrer un petit peu comment on fait. Donc déjà, vous tracez la largeur de la feuillure. Ok. Ici, vous placez une cale, histoire que ça puisse couper sur toute la longueur du bout de bois. Et après, vous commencez par couper juste sur votre trait. En réglant la butée pour arriver pile poil à la profondeur que vous voulez, donc moi c'est 14 mm. Ok, et après c'est parti pour faire plein de coupes. Et donc voilà ce que ça donne à peu près. Et après c'est très facile à retirer. Comme ça. Donc là, il n'y aura plus qu'à mettre un coup de ciseau à bois. Et voilà le travail. Très rapide.
première partie de la vidéo s'achève avec le squelette du temple japonais fini. Il y a encore beaucoup de boulot, mais on se revoit bientôt. À plus.